Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer des paragraphes sur une vidéo YouTube. Bon, vous allez voir, c'est très simple. Alors, dans un premier temps, je vais ouvrir mon navigateur et aller sur une de mes vidéos qui traite de Kali Linux. Bon, c'est pas le sujet. Mais vous allez remarquer que la barre de progression, ici, elle est d'un bloc. Vous voyez, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Bon, c'est pas très grave parce qu'il s'agit d'un tutoriel et que la plupart des gens qui visionnent cette vidéo ont besoin de tous les renseignements du début à la fin. Par contre, un utilisateur un peu plus expérimenté voudra peut-être passer une étape ou deux. Bon, dès lors, il est bien plus pratique pour lui que je crée des chapitres sur cette vidéo. C'est donc ce que je vais faire et vous allez voir que c'est très simple. Alors donc je suis sur la page de ma vidéo et je clique sur modifier la vidéo. Vous voyez, c'est là. Bon là je me retrouve sur ma page d'édition avec les détails de la vidéo, la titre, description, etc. Et je vais faire des modifications dans le champ description, ici. Donc je vais me faire un petit espace là histoire de bien faire les choses propres. Alors, bon, évidemment, l'introduction de la vidéo commence à 0, donc je vais taper 0, mais pas n'importe comment, sous cette forme, exclusivement, c'est-à-dire, voilà. Ensuite, je mets un tiret là, par contre, c'est pas obligatoire, mais enfin, moi, j'aime bien pas. Et là, on met introduction. Voilà, là, je sais que c'est mon introduction. Ensuite, j'ai repéré, parce que, bon, évidemment, j'ai bossé la vidéo avant, j'ai repéré qu'à 1 minute 35 commence le téléchargement. Donc, je vais mettre 0, 1, toujours sous ce format, hein, et aucun autre. Je mets télécharger l'image ISO de Kali Linux, voilà. Et je vais faire ça pour tous les éléments, donc je vais pas vous faire perdre plus de temps. Donc j'ai fait un copier-coller. Enfin, là je fais un copier et je colle la suite. Voilà. Vous voyez comment ça se présente. C'est impérativement comme ça si vous voulez créer des chapitres à la ligne et surtout chiffre, chiffre, deux points, chiffre, chiffre. Voilà. Et là on enregistre. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur la vidéo. Donc, on ouvre à nouveau la vidéo. On peut l'arrêter, là, ça n'a aucune importance. Et on va aller voir ce qui se passe. Donc, je vais là. Et vous voyez déjà que le redatage, les chiffres sont bleutés, c'est-à-dire que ce sont des liens, en fait. Si je clique sur 350, ma vidéo va se mettre à 350. Votre clé USB, vous voyez, automatiquement. Il va vous falloir un logiciel spécial. Si je clique à 750, voilà, ça y est, je suis à 750. Alors, au préalable pour l'utiliser. Donc, c'est beaucoup plus pratique lorsque vous suivez un tutoriel de voir les chapitres. Et notez que vous rappelez que la barre de progression était d'un seul bloc avant cette modification. Maintenant, vous voyez, il y a les petits traits entre les deux. Vous voyez, ça c'est l'introduction. D'ailleurs, vous voyez, il y a le titre en dessous, enfin au-dessus en l'occurrence. Télécharger l'image ISO de Kali Linux, télécharger Rufus, voilà, bon, je vous fais pas plus. Donc, alors il faut savoir une chose, si vous avez moins de 1000 abonnés, vous n'aurez pas cette découpe de la barre de progression, mais vous aurez par contre quand même le redatage avec les liens, donc c'est pratique. Ben voilà, vous pouvez constater que découper sa vidéo en chapitres n'est pas du tout compliqué. C'est même très simple. Maintenant, vous savez le faire. Donc, si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Et puis, si vous trouvez mon compte sympa, ben, n'hésitez pas à le suivre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.